Démarquez-vous. Il est important, alors c'est beaucoup plus facile que ce que vous pourriez l'imaginer de se démarquer aujourd'hui. À notre époque, de se démarquer sur son lieu de travail, c'est ça n'a jamais été aussi simple de l'histoire de l'humanité. Tellement l'engagement a baissé, le comportement nonchalant est, est quotidien, et on va retrouver plus de gens aigris et moins bien que de gens passionnés avec le sourire chaque matin, l'envie de communiquer, l'énergie, plein d'idées. Alors, après, si vous êtes dans une entreprise qui vient casser cette énergie, changez d'entreprise. Changez. Je ne plaisante pas. Changez. Si vous êtes dans une entreprise où on vous pénalise, on vous monte du doigt parce que vous souriez, vous êtes de bonne humeur sans aucune raison, changez. Changez. En revanche, apportez de facto et immédiatement cet, cet, cet engagement à 110%. Faites en sorte d'être engagé à 110%. Les personnes qui font des heures supplémentaires ne sont pas des dindons de la farce. Quand ils font bien son travail, quand ils obtiennent des résultats, croyez-moi, plus tard, c'est certain qu'ils assumeront des responsabilités supplémentaires. C'est inéluctable. C'est in... juste logique. Le gars est fini à 17h, heures, 17 heures, euh, 16h59, son ordinateur est éteint, c'est un cliché, hein? et il se l'avait pas. part. Alors après, là encore, vous êtes dans la fonction publique. Il y a plein de situations. Où vous allez me dire non. De toute manière, j'aurai pas d'avancement, j'aurai pas de, de merci, j'aurai rien de plus. Bon, ok, ok, j'achète. Mais j'aimerais pas être dans ce travail-là. Je peux vous le dire. Mais faites en sorte aujourd'hui de de vous faire remarquer, de vous démarquer plus précisément en faisant du 110 Et à vous de voir ce que vous devez faire de différent ou de mieux ou de plus dans votre fonction par rapport à à la norme dans laquelle vous êtes plongé dans votre entreprise.